Je suis venue à cette journée pour découvrir en fait les nouvelles tendances et notamment les tendances digitales au sein du marketing B2B, du marketing et de la com B2B, la digitalisation du métier et ce qu'on pouvait attendre justement de la transformation digitale, de la communication qui allait en découler. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais surtout en entendre un peu davantage sur les campagnes marketing, les campagnes digitales, avec les outils d'automation, donc Hello3, etc., qui représentent une partie, en fait, un outil pour lequel on pourrait être intéressé, voilà, pour en apprendre davantage. Et finalement, j'ai surtout été intéressée par le thème de la créativité. I really enjoyed the double act of Gregory from Oracle and Dan from Stein IES, because Gregory set up for a relatively uneducated market the basics of what the new softwares and new marketing cloud applications that Oracle could do, and he made it very, very simple. And then he set up the way for Dan to show how it could work in practice and how a piece of software is only as good as the content, the strategic content, the creative content, and how it works along the timeline, and that's going to really make the job. Donc cette journée qui a été faite aujourd'hui dans le cadre de l'activité de Topcom était importante pour nous. Ça a permis ce qu'on attendait de cette journée en fin de compte, c'était de nous afficher avec notre partenaire Stein. Pour montrer aujourd'hui sur le marché français qu'on a un fort écosystème de partenaires qui sont capables d'accompagner nos clients. Personally, I really enjoyed the creative presentation. That was probably my favorite and also the most eye-opening. That business to business doesn't have to be blue and boring, and we have an option and we can do something that's different and stand out from the market. Yeah, and then plan that into all the different communications that we're doing and enjoy ourselves. Donc aujourd'hui, vraiment le thème qui m'a vraiment le plus touché, le plus intéressé, c'est la créativité. C'était, je trouve, très 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 intéressant, et surtout c'était un thème que je n'avais pas forcément pensé tout de suite. Et vraiment par rapport donc au groupe de discussion, donc c'était un groupe de discussion effectivement aussi de la créativité. Donc ça a pu me permettre de voir donc les perspectives qu'il y avait par rapport à ça, et surtout l'importance aujourd'hui d'essayer de sortir des clichés. Alors ce que j'attendais de cette journée, en fait, c'était surtout qu'on puisse apporter de la valeur aux participants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent, qui vont investir une journée de leur temps, et il faut que finalement ils en aient pour leur argent, qu'ils repartent de cette journée avec vraiment en ayant l'impression d'avoir appris quelque chose. Ce que j'ai préféré, mon meilleur moment de la journée, j'ai envie de dire, c'est la séance de questions-réponses à la fin, parce que d'abord les gens sont restés, ça montre l'intérêt qu'ils ont eu pour la journée, et il y avait vraiment un échange avec la salle sur les différents sujets, que ce soit la stratégie, la créativité, tous les aspects digitaux. Les différents intervenants, je pense, sont bien complétés et ont permis de montrer à nos clients, je dirais, une offre jointe qui tient la route et qui est vraiment finit par être un succès chez les clients.